Salut à tous les amis, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur la vallée perdue. Bon, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal. Alors aujourd'hui, on va aller faire un tour, voir s'il y a... Non, il n'y a rien d'intéressant. Si là, il fait 12 mai, c'est bon. Ah mais non, ça m'intéresse pas. Mais... On va aller, dans un premier temps, aller chercher tous les œufs. Le miel, la laine, parce que les œufs, bah, c'est encore plein, comme d'habitude, de toute façon. Le dernier coup, bah, on avait quasiment tout enlevé, mais c'est full plein, donc, pas que je trouve une autre solution pour ça. Et remarque, avec mon petit camion, je pourrais mettre combien d'œufs? Vous savez, sinon, moi, j'avais un camion, qui était autour de là, celui-là. Ah, c'est un électrique, ok. Je sais pas combien de palettes on peut mettre. Ouais, tout ça, on s'en fout, en fait. Combien qu'on peut mettre de palettes d'œufs? Je pense qu'on peut en mettre pas mal. Vous savez quoi, ce moment-là, on va s'offrir. J'ai envie de le tester. On va juste se remettre 40 000 balles. Voilà. On va se tester celui-là. Parce que comme les palettes d'œufs, c'est pas gros. Combien qu'on pourrait en mettre, ça pourrait être plus simple pour prendre des palettes à l'intérieur. Et au pire, comme ça, bah, on les vendrait, à chaque fois, en fait. Parce que là, waouh. Là, les œufs, ça ne va plus. Ça va plus du tout les œufs. On a beaucoup trop. Oui, là c'est déjà plein. Après on va venir avec le camion. Là on va mettre ça à vendre. Quand on aura apporté, je vais même pas regarder le prix, de toute façon. Je regarde même pas les prix des œufs, on en a tellement que je les vends direct. Ah bah pourquoi ma masse avait baissé moi? Voilà. Oh! Ah ouais, on a vendu pour 100 000. 118 000 euros. On est pas mal. Combien de pailles d'œufs on va pouvoir mettre là-dedans? Oups. Je suis peut-être arrivé un petit peu vite. Pencher pour ouvrir les portes. Je sais pas comment ouvrir les portes. Open door X. Ouais, mais tu vas pas me dire que je viens d'acheter ça pour mettre 4 palettes quand même. Non. Eh ben si. Bah, en fait, ça vaut pas le coup quoi. Ça vaut pas le coup, on peut rien mettre dedans. Ça ne vaut pas le coup du tout. Bon, c'est pas grave. On va le garder, ça fait un petit camion de chantier, plus ou moins. On va juste les mettre à vendre quand même. Là, on va y retourner avec le plateau. Allez, dépêche-toi, s'il te plaît. 23 000 euros, chouette. On va le garer là, hop. C'est de la merde. Est-ce qu'il est activé ou...
Il est activé, lui. On désactive. Allez. Il faudrait peut-être que j'enlève. Serait pas mal. Je vais mettre là, ça va peut-être me faire chier. Ouais, par contre, maintenant avec mon contracteur, pour passer, c'est un peu galère. Ouais, ça va être. Il reste une palette. Voilà. Après, je pense dans mon intérieur. On va reprendre ces deux palettes en même temps. Et après, on a la laine et le miel. Et il va falloir qu'on aille mettre un coup d'enclouer sur le blé qu'on a planté le dernier coup. Tac. 14 par 14 palettes si on va. Donc 16 palettes, on va pas pouvoir tout prendre, mais bon, ce n'est pas grave. Bon, là, c'est bon. On va vendre ça. En promo, on a toujours rien. Rien d'intéressant. Là, on va vendre pour 100 000. Honnêtement, on est pas mal. Alors, du coup, le miel, ça me permet de savoir combien ça vendait. Je ne sais plus du tout si ça vendait cher ou pas. Il y a un truc stressant par contre, et ça je m'en sers bien plus, je sais pas comment faire. Si quelqu'un a la solution, c'est que j'ai mon pédalier, déjà j'appuie sur la pédale, il couille. Ça je me suis rendu compte qu'en fait vous l'entendez dans les vidéos, et c'est ça m'énerve. Allez go. On n'a pas grand chose en fait en miel. Ouais d'accord, tout ça pour ça. Pas terrible hein, la mienne. Faire mieux, oups. Ouais, on n'avait rien. Mon miel là, ça rapporte que dalle.
Oh, on va bientôt pouvoir acheter un tracteur, nous. Notre deuxième gros tracteur. J'attends avec impatience. Il y a combien? Je crois qu'il y a 500 de poussière. Où es-tu? 570. Ah, on s'en rapproche. Laisse-moi changer la couleur. 572. On n'est pas loin. On n'est vraiment pas loin. Bon, allez, go. Ça nous fera deux tracteurs noirs à faire. Donc on fera pas mal. Allez, go. Il est déjà 100% quoi. Il est peut-être déjà 100%. D'accord. Donc, bah, on va s'occuper de labourer notre champ. Mais allez, je vais faire une petite exception. C'est que là, on va attendre que les 11 heures passent. Une fois qu'on aura assez. Non, on n'a pas assez. Bon, on va se faire 20 000 euros de crédit. J'avais dit pas de crédit, mais bon, 20 000 euros. Par contre, faut qu'on pense à les rembourser. Enfin, ça jette notre petit bijou, quoi. Je jette parce que pour la labour, en fait, c'est beaucoup plus simple d'avoir le gros. Il y a quand même 3 000 chevaux, pépère. Ça nous rajoute combien ça là? Les roues? Ah non, ça rajoute. Standard. Ah, j'ai pas fait le crédit. Voilà, 20 000. Bon, par contre, après, on a plus de sous. On a plus de sous. Là, je peux vous dire qu'avec ça. Ah oui, bah oui, j'ai fait la livraison, je suis bête. Bon, c'est pas grave. Après, normalement, avec le mois, dès qu'on va changer de mois, c'est bon. D'ailleurs, on doit plus avoir de herbe, là, dans notre silo. Je pense. Ah si, encore? On en a encore, donc ce que je vais faire, c'est que. Je vais mettre l'ouvrier à faucher, ça va l'occuper. Même si à chaque fois il fait n'importe quoi. Donc ça m'en fait un peu pour le vendre. On est bien. Allez, occupe-toi mon ami. Ah, j'ai pas assez de sous. Bah oui, c'est malin. Bon, on va être obligé d'augmenter à 30. Et nous, on va le bourrer ce champ-là. On va replanter après derrière en quoi, je ne sais pas. On verra. Mais en tout cas, il sera plein d'herbes, ça c'est sûr. Il saute. Sans vous, on n'a plus besoin d'en avoir autant. Donc, ça sert à rien de les garder. On va peut-être se concentrer sur une autre production pour les animaux. Donc à voir ce qu'est-ce qu'on va faire. Pour l'instant, je ne sais pas. Parce que là, on a déjà deux champs de blé. Voilà, on peut faire des cochons. Cochons, alors les chevaux, en vrai. Les chevaux, c'est un truc qu'on fait jamais. Mais vas-y, pour une fois, ça peut le faire pour changer. En vrai, avec ce tracteur-là, déjà, ça va être beaucoup plus simple pour travailler. On avance beaucoup plus vite. Il va pas caler, pépère.
Ou alors on peut préparer les vaches, en vrai. Parce que l'ensilage, là, on peut très bien ne plus la vendre. Eh ben oui, mais non, on n'a pas d'enclos encore. Eh, on n'a pas d'enclos encore. Et je crois que le meilleur enclos qui coulait dans le petit espace, je crois que c'était les cochons. Alors bah au pire, on va préparer pour les cochons. Autant de se faire un peu d'argent pour pouvoir acheter l'enclos, quoi. Ça, je crois qu'il va nous falloir du... Waouh! Du maïs. Maïs, pommes de terre ou betteraves. Et après, je ne sais plus. Je ne sais plus, donc on verra ça tout à l'heure. J'ai tellement vite que mon machin lui a glissé. Ça, c'est bien. Ça va comme ça. Ça veut dire qu'on a un bruit, quoi. Toute façon, on va pas mettre 10 ans à retourner notre terrain, là. Ça va être très très rapide. Sachant que je voudrais bien aussi refaire des champs, mais des rectangulaires. Juste, en fait, de pouvoir mettre des ouvriers, mais tranquille dessus. Donc celui-là, je vais voir, je vais peut-être faire modifier, je sais pas. Ou alors, on le garde, mais on va pas forcément s'en servir. Faut que je vois qu'est-ce qu'on pêche. C'est vrai que je vois sur la nouvelle map, Far West, en vrai c'est top parce que je peux mettre que des ouvriers. Je mets pas que ça. Et c'est vrai que ça aide beaucoup en fait. Je me dis que ça pourrait être pas mal de mettre des ouvriers. De faire des champs rectangulaires ou carrés, justement les ouvriers. Là on en a qu'un. Celui du dessus, je vais leur modifier pour le faire bien carré pour qu'il puisse y avoir un ouvrier. Je vais remodifier celui où que l'ouvrier est en train de toucher, parce qu'il a tendance à bugger par moment. Donc je vais voir si je laisse pas. Mais je pense que je vais le remodifier. Celui-là, je vais peut-être pas le remodifier, je pense qu'il va rester comme ça. On va voir. Il faut que je refasse d'autres encore. Des grands champs. Peut-être pas mal. On va avoir le temps de labourer ce champ-là entièrement. Alors ça, ça va être cool. Que je regarde, ouais, c'est pas aussi pareil, on doit remettre une usine pour l'alimentation des cochons. Je vais pas m'embêter, je vais mettre une usine qui fait directement la... le mélange pour les cochons. Ça va être beaucoup plus simple comme ça. Ça, je sais qu'on en a une. Ça, y a pas de souci là-dessus. On avait téléchargé une. Il est quasiment fini. Voilà, c'est pareil, il va falloir qu'on attende de se refaire de l'argent pour acheter ce sonnet emploi à cochon et voilà. Et c'est là où le bouvier il merde. Je sais pas s'il fait, je crois qu'il est en train de faire une marche arrière. Pourquoi, j'en sais rien. Ouais, et aucune, je sais pas pourquoi. On va le laisser. Hein. On va voir ce qu'il fait. C'est vrai que c'est galère quand il y a, je sais pas, pourquoi il y a comme ça le boulot. Je comprends pas. Alors qu'il est quand même vachement loin de l'arbre, je peux largement refaire des tours. Bah ouais, normalement, il peut refaire un aller sans problème.
Après, s'il recule et qu'il reprend en marche avant vous, je m'en fous. C'est lui qui perd du temps, c'est pas moi. En soi, ça ne me dérange pas. Bon, ça c'est fait. Donc ça, on ramasse. Et faut que je regarde, ouais, qu'est-ce qu'il faut pour les cochons. Pour savoir ce qu'on a à planter là. Maintenant. Honnêtement, je ne sais pas. Alors, production. Ah, et là, on peut faire de l'alimentation pour cochon, mais du coup, je sais pas. Avais pas une autre? Pour les amis et cochons. Ah si, j'ai ça, mais le problème, c'est pareil, ça ne me dit pas. Ça ne me dit pas trop ce que j'ai besoin pour les cochons. J'en avais pas une autre, hein, non, j'en avais pas une. Pourquoi c'était celle-là qui faisait quoi de moi? Peut-être que tu faisais quoi de cochon, celle-là? Ça coûte 10 000. Ah ouais, on peut la passer, hein. 10 000. Mais on a qu'à la placer là, moi. Je voulais la tourner, mais bon, c'est tard. C'est pas ça que je voulais faire. Tant pis. Tant pis, tant pis. Ça va être bien là. Du coup, pour les cochons. Pommes de terre, sorgho, orge. Et du hein, du soja. On va planter du soja. Alors que là, on n'est pas prêt d'avoir les moutons. Quand je vois tout ce qu'on a besoin. Les moutons, les cochons, je veux dire. On a besoin de pas mal de choses. Mais on va commencer à planter. Ah bah oui, non. Non, on va pas commencer à planter. J'ai dit que je voulais refaire les champs. Alors, on va les refaire. Celui-là, ouais, on va pas voir la différence. On va pas voir la différence. Je vais quand même refaire celui-là au carré. Je vais couper tout là. Là, ça a posé problème. On n'aura plus de problème avec les ouvriers. On va pouvoir mettre des ouvriers partout. Ok, là, ce côté-là, c'est bon. Alors là, c'est pareil, du coup, on va tout couper. Alors, en fait, là, je pourrais peut-être faire plus grand, si. Moi, je suis max. Ah, bah non, je vais y arriver. Voilà.
Pourquoi ça décale? J'ai toujours un décalage. Comment ça se fait? En vrai, ça va faire un petit champ du coup. Et puis on va en refaire à côté, ça c'est pas grave. Tac. Là, il faudrait... ça va faire un petit champ. Ok. Ok. Donc là, on est bon. Hop, hop. Va quand même mettre un petit peu de peinture, ça va faire plus joli. Ok. Je pense que je vais refaire un choix à côté. Je vois, mais j'ai bonne chance qu'on refasse un choix. Si on peut, évidemment. Voilà. On a un champ totalement carré. Alors ici, non, ici, non, on pourra encore faire ici. Aussi, on pourra en faire, mais dans l'autre sens. De toute façon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas, les amis, à liker, commenter, partager et vous abonner. Ça coûte rien et ça fait toujours plaisir. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et ciao tout le monde.